I be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I see her. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement, c'est formidable le match. Franchement, c'est un match vraiment de fou. Là, il n'y a rien à dire. Ça, c'est le cas de le dire, c'est un match de fou. Parce que là, le match, on voit bien que y a un but qui a été mis. Et après, il y a un autre but qui a été mis. Moi, j'étais perdu. Pour tout vous dire, là, j'étais perdu. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on était à deux doigts d'être battu facilement ou même par un but d'écart. Mais le match, c'était ça. Moi, j'aime bien les matchs comme ça. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aime bien là où ça se bat. Et là, ça se battait bien jusqu'à la fin. Hein. Le match, il était fini. Même jusqu'à aller au vestiaire. Même avant d'aller au vestiaire, toum, ça cognait. Toum, entre Lyonnais et Monégasque. Mais franchement, c'était un combat. C'est-à-dire dans le jeu, même après le jeu. Tellement c'était un combat de boxe, c'était même plus de foot, c'était même plus du foot, c'était du foot en folie. C'était extraordinaire, ça, je kiffe les matchs comme ça. Là, vous avez deux équipes qui se battent vraiment, c'est pas facile. Il y en a une qui gagne, mais qui se bat. Et là, c'est bien parce que quand le camp est dans ta faveur, que tu es en train de gagner, c'est extraordinaire. Parce qu'on a commencé le match timidement. Les Lyonnais ont commencé à forcer, et après, ils ont joué tellement que la fatigue est venue. Mais sur le pénalty, comme vous avez vu, de Benítez, bon, après, le pénalty, il y est. Même sur le deuxième but, il n'y a rien à dire. Vous voyez bien, Lopez, il met un coup de poing. Lui-même, en fait, il veut donner un coup de poing sur le ballon, et du coup, il met un coup de poing au gars. Du coup, il tombe, et il n'y a rien à dire sur l'arbitrage, l'arbitre a fait son travail, rien à dire. Parce que là, même sur la vidéo, on voit bien qu'il met le coup de poing et en fait, il frotte à peine son oreille, mais il touche le gars. Donc, du moment qu'il touche, c'est pénalty, moi, j'ai pas cherché à comprendre. Du coup, là, c'était déjà la fin du match, c'est fini. Sur le 2-2, là, moi, je me suis dit, ben, bon, ils égalisent sur le pénalty, le gars, il fait sa panenka, c'est fini, je commence. Après, je vois ce jeune de Cherki qui arrive. Dans ma tête, quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Là, aujourd'hui, là, c'est toi, t'es tout frais, tu veux, le petit jeune, là, toi, tu vas marquer ton but. Lui, ça va être notre futur numéro 10, ça va être notre futur star à Lyon. Je l'ai vu rentrer, je me suis dit, s'il te plaît, tu vas le mettre. Je le vois, il a le ballon en main, j'ai prié, toi, tu vas le mettre. Et je le vois, il approche de plus en plus des cases. Tu vas le mettre. Il a mis. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, c'était un match extraordinaire. Mais franchement, là, pour tout vous dire, je partais pour insulter les Lyonnais. Je disais, on est nuls et tout. Mais dès que j'ai vu ce but de Cherki, franchement, là, je me suis dit, là, on s'est battu. Et à la fin, les dernières minutes, regardez, juste deux minutes, c'est une crise cardiaque. Moi, j'étais en train d'appeler à tous mes collègues et tout. Une grosse dédicace à Alexis et Sylvain et tout. Que j'embêtais beaucoup là, je les appelais, c'est quand on va y arriver et tout. Voilà, je faisais que de crier au téléphone. Même pour tout vous dire, d'ailleurs, je veux boire un jus d'orange, un petit jus d'orange. Ça n'a rien à voir dans la vidéo parce que, sans tout vous dire, les amis, j'ai tellement crié. Que ça se trouve, on va me renvoyer de là où je suis, de mon appart. Les voisins, ils commencent déjà à râler, c'est comment dire, à râler ici, parce que bon, j'ai crié, vous avez vu là tout à l'heure, j'étais en train de crier, j'ai crié, j'ai pas arrêté de crier.
J'ai dit, début, je me suis dit, après, je me suis dit, en plus, je regardais le match de Valence face le Valence qui jouait contre Barcelone et tout. Je me suis dit, bon, j'étais un peu chaud sur ce match. Et après, je suis revenu sur Lyon. Je me suis dit, allez, on va y croire. Là, c'est bon. Là, je pense qu'ils vont y arriver, Lyon. Et puis, à la dernière minute, quand je les ai vus mettre ce troisième but, je me suis dit, là, c'est bon, là, on est bon. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Défensivement, c'était fragile. On avait une défense fragile. On fait n'importe quoi. Lyon fait n'importe quoi. Les joueurs lyonnais s'énervent à la fin, fait n'importe quoi. On prend un rouge et tout. Non, c'était mental. Le match, il faut en avoir dans la tête. Il faut rester calme. Il faut juste jouer. Il ne faut pas s'énerver. Parce que là, tu prends le rouge direct. Mais là, franchement, là, les deux équipes ont bien joué. Lyon, ensuite Monaco. Parce que Monaco a forcé, avec toutes ses chances devant elle pour gagner. Mais c'est vrai que Lyon, là, c'est pour moi, c'est, on va dire, il y a la chance. Il y a aussi que là, à la fin, il y avait l'envie qui est venue. Parce qu'ils n'avaient pas envie au début. Après, ils sont revenus des vestiaires. Ils se sont fait un peu soucouiller le cerveau. Et puis là, c'était plus le même Lyon. Franchement, là aujourd'hui, laissez-moi boire. Parce que là, boire un bon joueur de jus d'orange. Parce que là, j'ai crié là. Je crois même que j'ai plus de voix. Là. Je vais vous laisser. Je vais attendre. Ah, ça me dit bien. Parce que là, j'ai trop crié là. J'ai mis mon petit poster là, comme vous avez vu, j'ai mis mon poster des années de titres, même si on va, lui on va pas être champion, ça c'est sûr, lui on va pas être champion. Toutes les années de titres, les 7e titre, c'est juste que je suis content, j'étais content, je voulais le match, j'ai mis comme ça à la vache quoi. Voilà, pour faire un peu changer des vidéos que je fais habituellement. Mais pour une fois, Lyon va faire passer une bonne soirée, je suis content, parce que là ils se sont battus à la dernière minute, et ils ont vraiment, mais c'était dur. Hein. Défensivement, c'était dur, parce qu'à tout moment, il pouvait avoir un 3-3, c'était vraiment dur. Mais là, franchement, les deux équipes se sont battues jusqu'à la fin du match. Hein. Quand je dis à la fin du match, jusqu'à où les joueurs voulaient se cogner. Il y a un joueur italien, deux joueurs italiens, ils voulaient se cogner. Un de Lyon et un de Monaco, ça voulait cogner. Mais Belender, là, il a voulu faire le malin, sa Panenka. Voilà, il s'est porté la poisse. Lui, il a voulu faire le malin avec ça. Il a voulu faire une Panenka. Monsieur, il faisait le malin, il faisait sa Panenka. Oui, vous êtes troisième. Mais attends, vous avez d'un point, Monaco est troisième, excusez-moi. Et puis, du coup, il y a peut-être une chance que s'ils font un match dans les derniers matchs, mais bon, j'y crois pas vraiment. Mais on ne sait jamais s'ils font une petite erreur. Nous, on passe, hein, on prend la troisième place. Là, on s'attache. Là, on y est. Maintenant, on ne va pas perdre en si bon chemin. On va taper les équipes qu'il y a. Mais normalement, on devra. Si Monaco fait juste une seule petite erreur à un match ou une défaite, c'est fini. La place, je pense qu'ils vont la perdre. Parce que nous, on ne va pas se laisser faire. On va récupérer la place. Mais bon, là, je vous dis ça. Mais je suis content aujourd'hui. Mais je pense qu'on va évidemment on va être en Ligue des Champions. On va sûrement finir quatrième. Mais j'ai un tout petit peu d'espoir. Hein. Tout petit peu comme ça. Hein. Pas beaucoup. Hein. Juste un tout petit peu d'espoir. Juste un tout petit peu. Bon, je vais vous laisser. Moi, je vais dormir. Parce que moi, je crie trop là. Les gens, ils dorment. Il est 23h. Il est 23h, hein, regardez bien. 23h et moi je suis là, je fais des vidéos comme ça, je crie tout ça et les gens ils dorment, moi je fais n'importe quoi. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Moi j'ai crié, j'ai savouré la victoire de Lyon, je suis content. Ah putain, crise cardiaque. Ouf, si vous êtes cardiaque, il ne faut pas regarder ce genre de match, moi je vous laisse.